Merde. La porte. Reste aux aguets. Je vais jeter un coup d'œil. Moi qui croyais que ce serait de tout repos. Je te dis qu'on n'aurait jamais dû venir. Au moindre bruit, je fonce à l'autre poste de garde. Avec l'aide de Dieu. Il faut l'arrêter, tout de suite! Je suis là! Je vais revenir avec les autres gardes! Oui. Je crois que je suis tiré d'affaire. Je suis tiré d'affaire. Pas question de rester ici. Sinon, il va me tuer. Oui, je crois que je suis tiré d'affaire.
m'attaquer. Garde! Tuez l'assassin! E benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et manet sempre. Grazie, padre. Bernardo. Tout est là. Épée, gourdin, hache, armure, arc. Nos hommes ne manqueront de rien. Dois-je en déduire que vous avez le consentement du pape? Il nous a accordé sa bénédiction. Dans la mesure où personne n'est tué. Nous sommes prêts à nous rendre au dôme demain matin. Tout est en place, mais ça n'a pas été sans mal. Son idiot de frère ne cesse de changer ses plans. Ouais. Il faudra avant tout s'assurer que Giuliano ne traîne pas au lit et qu'il ira à l'église demain. Qu'y a-t-il, Jacopo? Vous pensez qu'il se doute de quelque chose? Impossible. Les Medici n'ont rien remarqué. Ils sont trop stupides ou trop arrogants. Ou un peu des deux. Ne sous-estimez pas nos ennemis, Francesco. Auriez-vous déjà oublié le sort qu'ils ont réservé à votre fils? Cette fois, rien ne viendra contrecarrer nos plans, maestro. Vous avez ma parole. Molto bene. Je dois vous laisser. Il se trouve que j'ai d'autres affaires à régler avant de rentrer à Rome. Messieurs, demain, une nouvelle ère s'ouvrira pour Florence. Puisse le Père de la Sagesse nous guider. Puisse le Père de la Sagesse nous guider. Regardez cette statue. Il y a exactement la même dans la Villa Auditore. Je crois que tu as découvert l'un des tombeaux d'assassins dont parlait l'oncle d'Ezio. Maintenant qu'on sait comment entrer, je vais marquer chaque lieu qui renferme un tombeau dans la base. Thank you.
Je sais où et quand je peux trouver Francesco. Mais... Qu'y a-t-il ? J'ai appris autre chose. Ils ont assez d'armes pour équiper une armée entière. Le pape lui-même les soutient. Sisto est incorrigible. Mais qu'est-ce qu'il complote au juste ? Je n'ai pas bien compris tous les détails, mais cela concerne les Medici. Ils passeront à l'acte demain matin au dôme. Tous les Medici assisteront à l'office de dimanche. Et tout Florence sera là par la même occasion. Alors ils vont agir pendant la grand-messe, c'est évident ! Voilà qui me donnera l'occasion de me mêler à la foule, de me rapprocher et d'arrêter cette folie. Si tu échoues, si Lorenzo est tué, alors Florence tombera aux mains des Pazzi. Ça n'arrivera pas, je te le promets. Puisses-tu seulement dire vrai ? Ma cosa, il est tombé sur la tête. Magnifica notte. Un vrai petit animal de foire. Thank you.